Là au détour, Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue en direct sur Vatican Media, Radio Vatican, pour suivre depuis la place Saint-Pierre la prière de l'Angélus de ce dimanche 15 août 2021, jour de la célébration de l'Assomption de la Vierge Marie. Occasion pour nous de vous souhaiter, une très bonne fête de l'Assomption. La prière de l'Angélus que va présider dans quelques minutes le pape François. Avec vous ce dimanche, Françoise Nyamia. Merci à vous de nous suivre à partir de nos différentes plateformes. Merci également à ceux et celles qui nous suivent à travers nos radios et télévisions partenaires. Nous citons Radio Espérance, EWTN TV, C'est les Lumières TV, Radio TV catholique Elitia à Kinshasa, Radio Maria République démocratique du Congo, Ecclesia TV de Côte d'Ivoire, Radio Salve Regina en Corse, en France, et Radio Présence. Merci encore une fois de votre fidélité. Alors, dans quelques instants, donc, le pape sera présent à cette fenêtre pour conduire la prière mariale de l'Angélus. Nous voyons un monde déjà qui a pris place à la place Saint-Pierre avec des drapeaux, une foule très colorée. Et le pape qui, dans un moment à l'autre, va faire son apparition pour nous livrer son exhortation qui sera suivie de la prière de l'Angélus de ce dimanche, jour de l'élévation de la Vierge Marie, corps et âme au ciel dans la gloire de son Fils ressuscité. Rappelons que le dogme de l'Assomption a été proclamé solennellement par le pape Pie XII en 1950, le 1er novembre 1950, indiquant que l'Assomption doit être désormais considérée comme un dogme de foi définitive, divinement révélé par Dieu. Nous proclamons, déclarons et définissons que c'est un dogme divinement révélé que Marie, l'Immaculée Mère de Dieu, toujours vierge, à la fin du cours de sa vie terrestre, a été élevé en âme et en corps à la gloire céleste. Voilà, dans quelques instants donc, la prière de l'Angélus que va présider le pape François depuis la place Saint-Pierre, bondée de monde. Une foule, comme nous l'avions souligné, très colorée, venue écouter l'exhortation du pape en ce jour de la célébration de l'Assomption. Pour tous ceux et celles qui viennent de nous prendre en marche, vous êtes en direct sur Vatican Media, Radio Vatican, pour la prière de l'Angélus depuis la place Saint-Pierre en ce dimanche 15 août, où toute l'Église célèbre l'élévation corps et âme de la Vierge Marie dans la gloire du ciel. Nous attendons toujours le pape François pour présider cette prière de l'Angélus. Et le pape qui est là, il est applaudi par la foule, le pape qui salue de la main toutes les personnes présentes place Saint-Pierre. Cari fratelli e sorelle. Chers frères et sœurs, bonjour et bonne fête. Oggi solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, en la solennité de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie au ciel,
Le Magnificat prend toute sa place. Ce chant de louange est comme une photographie de la Mère de Dieu. Marie exulte en Dieu, car il s'est penché sur son humble servante, parce qu'elle est humble. L'humilité est le secret de Marie. C'est l'humilité qui a attiré le regard de Dieu sur elle. L'œil humain recherche la grandeur et est ébloui par ce qui est ostentatoire. Dieu, en revanche, ne regarde pas les apparences. Dieu regarde le cœur et est enchanté par l'humilité. L'humilité du cœur enchante Dieu. Aujourd'hui, en regardant l'Assomption de Marie, nous pouvons dire que l'humilité est le chemin vers le ciel. Le mot « humilité », nous le savons, vient du mot latin « humus », qui signifie « terre ». C'est un paradoxe. Pour arriver au sommet, au ciel, il faut rester bas, comme la terre. Jésus enseigne « qui s'abaisse sera élevé ». Dieu ne nous exalte pas pour nos dons, nos richesses ou nos compétences, mais pour notre humilité, pour notre bravoure. Dieu est amoureux de l'humilité. Dieu est amoureux de l'humilité. Dieu élève ceux qui s'abaissent et ceux qui servent. Servir, c'est la recette du Seigneur. Il ne recherche rien d'autre. Aujourd'hui, nous pouvons donc nous demander quel est mon degré d'humilité. Est-ce que je cherche à être reconnu par les autres, à m'affirmer et à être loué, ou est-ce que je pense à servir? Est-ce que je sais écouter comme Marie? Ou est-ce que je veux juste parler et recevoir de l'attention? Est-ce que je sais me taire comme Marie? Ou est-ce que je suis toujours en train de bavarder? Est-ce que je sais faire marche arrière, désamorcer des querelles et les disputes? Ou est-ce que je sais simplement de me mettre en avant? Pensons à ces demandes, à ces interrogations. Marie, dans sa petitesse, conquiert d'abord les cieux. Le secret de son succès réside précisément dans le fait qu'elle se reconnaît comme petite nécessiteuse. Avec Dieu, seuls ceux qui se reconnaissent comme rien sont capables de tout recevoir. Seuls ceux qui se vident sont comblés par lui. Et Marie est pleine de grâce, précisément à cause de son humilité. Pour nous aussi, l'humilité est le point de départ, le début de notre foi. Il est essentiel d'être pauvre en esprit, c'est-à-dire d'avoir besoin de Dieu. Celui qui est imbu de lui-même ne laisse pas de place à Dieu, mais celui qui reste humble permet au Seigneur d'accomplir de grandes choses. Permettons au Seigneur d'accomplir de grandes choses en nous. Le poète Dante appelle la Vierge Marie plus humble et plus haute qu'une créature. Il est beau de penser que la créature la plus humble et la plus élevée de l'histoire, la première à conquérir les cieux de tout son être, son corps, hors corps et âme, a passé sa vie principalement au sein du foyer dans l'ordinaire. Nell'umiltà.
d'humilité. Les journées de la pleine de grâce n'étaient pas très exactantes. Elles se succédaient souvent identiques, en silence. À l'extérieur, rien d'extraordinaire. Mais le regard de Dieu est toujours resté sur elle, admirant son humilité, sa disponibilité, la beauté de son cœur, jamais touchée par le péché. È un grande messaggio di speranza per noi. Pour nous, pour vous, per ognuno di noi. Qui vivez les mêmes journées, fatigantes et souvent difficiles, c'est un grand message d'espérance. Marie nous rappelle, vous rappelle aujourd'hui que Dieu vous appelle aussi à ce destin glorieux. Ce ne sont pas que des belles paroles. Ce n'est pas une fin heureuse artificielle spécialement créée, une illusion pieuse ou une fausse consolation. Non, c'est la pure réalité, vivante et vraie comme l'Assomption de la Vierge au ciel. Fêtons-la aujourd'hui avec l'amour des enfants animés par l'expérience d'être un jour avec elle au ciel. Et prions là maintenant afin qu'elle nous accompagne sur notre chemin de la terre vers le ciel. Elle nous rappelle que le secret du cheminement est contenu dans le mot humilité. Nous ne devons pas oublier cette parole. Souvenons-nous toujours. Et que la petitesse et le service sont les secrets pour atteindre le but. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam tua, in quae sumo Domine, mentibus nostris infunde, che angelo annunciante, Christi Filii tui, incarnazione coniovim, per passionem eius ad crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce a teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, chers frères et sœurs, mi unisco all'unanime preoccupazione per la situazione in Afghanistan. À la situation en Afghanistan. Prions pour la paix afin que ces violences cessent et que des solutions soient trouvées pour le dialogue. La martoriata popolazione di quel paese, uomini, donne, anziani e bambini, potrà ritornare alle proprie case
pour la paix ainsi pour permettre aux habitants de retourner chez eux. Le pape qui fait à présent allusion au tremblement de terre, au séisme qui a eu lieu en Haïti hier. Il exprime sa proximité à toutes les populations victimes de ce séisme. Le pape qui dit « Priez pour toutes ces personnes qui sont mortes dans ce séisme ». Se muova l'interesse partecipe della comunità internazionale. La solidarietà di tutti possa lenire le pape qui appelle la solidarité della tragedia. Preghiamo insieme la Madonna avec per Haïti. Cette tragédie, demandant de prier la Vierge pour cette tragédie. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Saluto tutti voi romani e pellegrini di vari paesi. Je vous salue tous, romains, venus de divers pays, des familles et associations présentes sur la place Saint-Pierre. Saluto il gruppo di Santa Giustina in Colle. Voilà le pape qui salue des groupes particuliers. I giovani présent sur la place Saint-Pierre. Quelli di Sabio, Bergamasco e di Verona. Desidero inoltre rivolgere un pensiero a quanti trascorrono questi giorni di Ferragosto nei vari luoghi di villeggiatura. Auguro loro serenità. Le pape qui adresse des salutations à tous ceux qui sont en vacances et demande et leur dit qu'on ne peut oublier Jésus pendant le temps de vacances. Et anche coloro che si trovano in condizioni disagiate, aggravate dal forte caldo e della chiusura per alcuni servizi. Exprime également la proximité à toutes ces personnes victimes de grandes chaleurs, pensant aux vieillards, aux malades, à toutes les personnes nécessiteuses, les personnes en difficulté. Que la Vierge Marie étende sur chacun de nous sa protection. Le pape qui invite chacun à accomplir un très beau geste, aller dans un sanctuaire marial, à prier avec la Vierge, prier en ce jour de l'Assomption. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon dimanche et très bonne fête de l'Assomption. Non dimenticatevi di e s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et à très bientôt. Voilà les mots du pape juste après la prière de l'Angélus. Le pape donc qui vient de présider la prière de l'Angélus de ce dimanche 15 août, en la célébration de la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. Le pape, dans son exhortation, a souligné l'humilité qui a caractérisé la Vierge Marie, indiquant que l'humilité est le chemin vers le ciel. Le pape qui nous a invités également à se demander quel est le degré de notre humilité. Voilà, merci de nous avoir suivis. Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus, à très bientôt.